Yo les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas super comme vous le savez en ce moment, j'ai vu que vous kiffez de ouf Poppy Playtime. J'ai trouvé du coup des caméras de surveillance en 360 degrés que je peux contrôler. Et le but c'est de troller du coup des potes sur Discord. Ok, ça commence, là vous voyez la caméra de surveillance tranquillement, vous voyez tout. Et là je peux tourner là, vous voyez. Ah ouais. Là je vois le mur, et là il y a les murs à côté. Du coup là c'est la caméra de surveillance, elle surveille un peu tout. Ouais, vous l'avez vu ou pas là? Juste là là. Juste là là. Et là je suis vraiment contrôlé, vous me dites où vous... Ouais. Attends, attends. Ah, wesh Bobby, putain. Non, c'est Huggy. Ouais, c'est Huggy, t'es bête toi, wesh. Il court vite ton Huggy quand même. Il court vite, ouais, il court vite, t'inquiète. Non. Wesh, mais il fait des bruits ton Huggy aussi. Là c'est à l'étage, là c'est un point de vue de la caméra mais à l'étage, ok. Ouais, bon là c'est sa femme, mec comment elle a spawn frère, mais c'est quoi ça? Mec c'est une apparition d'un fantôme gros. Bah elle a disparu, comme elle est venue. Attends, y'a pas un truc derrière encore là pour voir? Yes, téléportation. Oh frère, j'étais vraiment pas vrai par contre. Wesh, elle a Spider-Man, donc elle a les pouvoirs de son Goku et de Spider-Man en même temps. T'en penses quoi Termidi? Mais frère, genre, ils sont rentrés comment? Bah, mais mec, c'est la question que je me pose actuellement, tu vois. Oh, par contre, ça, les bruits là, ils sont. Il la manière dont elle marche, wesh. Franchement, c'était sale, hein. C'était hardcore. Bon, les gars, y'a un petit problème, c'est qu'en fait. Je vous promets, c'est nul, wesh. Oh, j'ai trop la haine. Les seules vidéos que j'ai trouvées, parce que j'ai essayé de faire un montage, tu vois, mais j'avais pas le temps de faire un truc, il faut que je demande à un monteur. Et le monteur il aura travaillé là-dessus. Mais c'est quoi ces caméras, tu mec, c'est que. Le Poppy Playtime il fait. Oulululululou. Frère, à quel moment tu veux être crédible avec ça gros? Bien sûr ils ont cramé depuis le début que c'est faux gros, j'ai trop la haine. Bon les gars, je pense que vous l'avez un petit peu cramé, mais c'est la réalité quoi, non? Bah ça c'est un peu claqué hein. Bon les gars, j'ai la haine parce que du coup ouais l'animation elle est vraiment pas ouf. En fait, ça aurait été, tu vois, une. Je sais pas, tu vois, en mode il a filmé un truc dans la vraie vie, c'est pas un truc en 3D, ça aurait pu être stylé, tu vois. Mais en vrai, le truc qui est bien, c'est que genre on peut bouger, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est vraiment l'animation qui est pas ouf. Par contre, je m'attends vraiment au pire. Hein. À tout moment, je me prends un giga screamer là. T'es prêt, Termidi? Ouais, bah là, je regarde l'info. Là, mon ref. De toute façon, il y en a un. Ouais, t'as un giga trop histo là. Attends, mais là, en fait, on est en 3-6, mais on est plus en caméra de surveillance. On est en mode. C'est comme si on était dans sa peau. Ouais, frère, il est passé en bas. Par contre, le bruit, il le décrédibilise, mais tellement gros le bruit qu'il y a. Le. Il le décrit de ouf. Hein. On dirait qu'il se fout de ta gueule. Mais vas-y, il se fout vraiment de ma gueule. Hein. Attends, je suis en radé. Non, j'ai trop la haine. Hein. Parce que vraiment, ça aurait été une vidéo un peu plus réaliste. J'aurais pu vous. Ouah, frère, oui. Starf. Oui. J'aurais pu vous faire croire à des dingueries, tu vois, c'est que j'ai la haine. Moi, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je tente. Je baisse la qualité et tout. Ils vont croire que c'est une vraie caméra. Eh, pas du tout. Hein. La tête de Poppy, gros, ça se voit que c'est un. Oh, il fait moins peur que celui dans le jeu. Oui. Par contre, il est vraiment en train d'arriver là. Attends, je me retourne. Ouais, j'arrive pas à me retourner vite. Ah, ouais, il est plus là. Ah, je suis parti là, ok. Je vais regarder le plafond, on sait jamais. Ouais. Il arrive où? Oh, non, ok, il arrive plus. J'avais une bête d'idée, un bête de prank avec lui. En plus, j'ai vu la miniature, je me suis dit, ça va être incroyable. Ils vont y croire, pas du tout. Je lance le premier truc, et quoi, il se fout de ma gueule. Toi, t'as essayé d'être gentil, mais ça se voit que. On va regarder du coup le jeu Poppy Playtime. Genre, il y a un mec qui a joué au jeu, mais en VR. Tu vois le bail? Ok, du coup, là, on est dans. Wesh, mec, c'est incroyable. Hein. Je parlais derrière moi pour une fois. Oui, oh, il est juste là, ok. Ouais, il est en face. Ah, par contre, frère, mec, tu sais que ça fait. Mec, t'imagines vraiment jouer à ce jeu en VR ou pas? Il est là. Attends. Ah, frère, je crois que je me pisse dessus, t'es moderne. Ah, j'arrive pas à regarder. Mec, j'arrive pas, je suis perdu. Je suis perdu. Regarde-le dans les yeux, mon ref. Ok, je le regarde dans les yeux. Non, je le regarde pas dans les yeux. Si, oui, non, oui, non, oui. Non, mais mec, vraiment, est-ce que tu penses vraiment. Tu serais capable d'y jouer en VR ou pas en vrai, Termidi? Cap, ouais. Non mais vraiment, t'sais, mec, t'as déjà joué au vrai jeu ou pas? Ou t'as juste regardé les displays? Non, j'ai déjà joué mais vite fait, tu vois. Ouais, mais mec, je suis perdu, mais... Où, là? Ah, mais mec, mais frère, il va trop vite. Il va plus vite. Genre... Mais comment il a fait pour... Cap d'y jouer, je le fais, mais je me pisse dessus, ça c'est sûr. Ah mais mec, mais tu te rends pas compte, vraiment mec, y jouer, déjà y jouer, genre sans verre, sans rien du tout, ça fait archi peur. Mais y jouer en plus avec le verre comme ça, ok, je vois le fond, ça fait encore plus peur, mec, hein. Tu veux être là en fait? A mon avis, à la moitié j'abandonne. Ouais, mais il est juste là. Il est juste ouais, là. Il est juste là. Ouais, ses jambes, mec. C'est quoi ses jambes? Je pense à la moitié du bas j'abandonne, hein, je pense. Ouais, parce que t'as déjà joué à un jeu en VR ou pas? Ouais, et c'était horrible. Oh là, oh là là. T'as vu comment c'est archi réaliste? Et imagine Poppy Playtime. Mais mec, je comprends pas, mais ouvre-toi.
Oui, c'est bon. C'est bon, je tourne. Mais tu sais, j'ai le tourné à force de tourner, mec. Hein. J'ai le tourné là. Regarde, je peux tout contrôler, les gars. Et c'est pas du fake, hein, pour ceux qui se disent, ouais, c'est du fake, etc. On peut vraiment tout contrôler, on peut tourner autour de nous. C'est en vert, c'est en 360 degrés. Oh, par contre, mec. Oh, j'ai ça devant moi avec mon casque vert. Je ne suis pas serein, frérot. Hein. Non, mais je te le dis là. Ah, moi, je m'enlève direct. Hein. Ah, mais mec, oh, j'ai peur qu'il se mange un screamer là. Vite, tire, tire. Non, il l'a déjà tiré. Ok, ouais, ouais. Oh, il s'est approché de lui. On va regarder. Attends, y'a quoi autour de nous? Oh, par contre, la salle, on la voit mieux là, comme ça, gros. Ouais, j'avoue, y'a pas l'obscurité. Ouais, genre, du coup. Ouais, attends, est-ce que tu penses qu'il a joué au vrai jeu? Genre, y'a une fonction VR dans le vrai jeu ou. Ou c'est juste, je sais pas, un mec qui s'est recodé le truc tout ça parce que j'avais pas la fonction VR moi sur mon. Bah, sur mon PC, en quand fait, le jeu. Ça m'étonnerait qu'en si peu de temps il est tout recodé. Ouais, y'a un mec qui juste. Il doit y avoir une strat, je pense, un truc, je sais pas. Peut-être que c'est sur. Je sais pas s'il est sur PS4. Il y a une version VR. Il y a moyen, on sait pas. C'est vrai que ouais, mais mec, ouais, par contre. S'il y a la version VR. Frérot, on est où là? On est où là? On est où? Ok. Là, on connaît cet endroit là. Par contre, j'en ai derrière moi pour voir. Ah ouais, mec, ça fait trop bien d'aller derrière ce. En fait, ça fait trop bizarre d'être sur un jeu d'horreur, mais en. Tu vois, en mode réaliste, en mode. Bah, VR quoi, tu vois. Parce que moi les jeux d'horreur en général quand j'y joue, bah j'y joue tout le temps en mode, même tous les jeux tu vois, en mode PC. Et là le fait de pouvoir bouger, se retourner, regarder autour et tout mec, ça fait 10 fois plus peur hein. Je pense qu'il y a moyen que je pète un truc hein, si vraiment j'avais un casque avec ça. Dans un jeu c'est plus facile à regarder alors que quand t'es dans la VR, enfin non dans la VR justement, mais... Comment, genre en mode... Ça fait trop peur, t'as la sensation vraiment qu'il est derrière toi mais... Ah non mec, en VR vraiment, limite je m'accroupis par terre, je me couche au sol alors que c'est, tu vois... On sait que c'est VR, on sait que c'est virtuel. Mais ça joue tellement sur ton cerveau que t'as l'impression que il est vraiment derrière toi dans la vraie vie, limite, tu vois. C'est trop bizarre. Ah, oh. Là, c'est position accroupie. Ah, mais frérot, mais clairement. Tu sais, moi, je me suis déjà mis. Je crois que j'avais déjà fait un truc. Bah, j'avais fait des montagnes russes en VR. Et genre, je m'étais mis vraiment accroupi par. Oh, ouais, oh frère. Oh, Star. Ok, les gars, on vient de tomber sur une autre version en VR du camp 3-6. Mais cette fois-ci, apparemment, le. Bah, du coup, le joueur il se fait choper, du coup, va. Oh. Il est juste devant. Par contre, c'est vraiment pas le vrai jeu qu'on a joué, ça, frérot. Je viens de capter en fait. Là, c'est une autre version. C'est une autre version du jeu, mais c'est. Oh, mec, c'est vraiment peur. Hein. Imagine vraiment, tu te fais choper par. Je pense que j'ai une crise cardiaque. Hein. Je pense j'ai des frissons partout sur mon corps. Hein. Si vraiment je me tape le. Comment ça s'appelle le screamer, mais en mode. En mode dans la vraie vie, frère. Et j'aurais trop. Par contre, il est où là? Je le vois pas. Ah, et moi, déjà que de base pour jouer à un jeu d'horreur. Remets-moi, je suis comme toi. Déjà de base, j'ose même pas regarder mon écran. Alors imagine en VR. Hein. Ah, mec, il m'a fait trop peur. Ouais, j'ai difforme son corps là. Mec, ah, il fait trop peur. Ah, j'ai encore peur dans la famille, gros. Mais comment il se tient, wesh? Mais en VR, mais ouais. Comment il marche? Eh, le fait qu'il marche. Mais oui, je vois ça, il marche au Gangnam Style, gros. Mais mec, il veut pas. Non, c'est dans le noir en plus. Non, je vois plus rien, je vois plus rien. Ok, non, c'est devant. Il est encore derrière moi là? Il est derrière moi. Après, il est loin là. Il bouge plus. Oui, il attend. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est une vidéo chill où je voulais de base faire un petit prank avec des caméras de surveillance, avec Poppy, etc. Et au final, ça a mal tourné. On est parti sur des délires. J'espère en tout cas vous avez vraiment kiffé. Dans tous les cas, moi, je prépare un très très gros prank. Il y a aussi les 24 heures dans un magasin de jouets qui vont bientôt arriver.